Je vais vous parler d'abord, avant le Zapnet, je vais vous parler d'un autre génie qui n'est pas non plus intéressé par l'argent. C'est un mathématicien russe qui vient de refuser $1 million. Il a résolu l'un des plus grands mystères mathématiques de ces 10 derniers siècles, rien que ça. Il s'appelle Grigori Perelman et il vient de décliner le prix du millénaire. C'est un institut américain qui remet ça avec un petit chèque de 6 zéros qui va avec. Non merci, a répondu Grigori. Il avait déjà refusé l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Une énigme vivante qui préfère vivre recluse dans son petit appartement de Saint-Pétersbourg. Emmanuel Raoul. Des chiffres sur un tableau noir, oui, mais sur des billets verts, non. Cela pourrait s'appeler le théorème de Grigori Perelman. Ce russe à la barbe épaisse et au regard perdu, c'est un peu l'arlésienne des maths. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. Dans les années 90, les prestigieuses universités américaines de Stanford et de Princeton lui proposent des ponts d'or. Mais il préfère s'enfermer chez lui à Saint-Pétersbourg, sans rien publier pendant 7 ans. Puis un jour de 2002, sur ce site participatif, il fait paraître une série d'articles qui vont tout simplement résoudre l'un des 7 problèmes les plus recherchés du millénaire, la conjecture de Poincaré. En jeu, déterminer si une forme quelconque peut constituer une sphère de 3 dimensions. Pas compris ? Allez, plus simple. La conjecture de Poincaré et sa résolution, c'est l'apogée, c'est comme gravir le sommet de l'Everest. Devant ce point final au problème de Poincaré, ses pairs décident en 2006 de lui attribuer la plus haute distinction des mathématiques. Mais Perelman la refuse et ne se déplace pas à la cérémonie. Il refuse la médaille Fields, qui est pourtant le prix Nobel de mathématiques. Mais ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Personne ne le sait. Est-ce un mystique? Certains avancent que Perelman croit que la science est vraiment pure. C'est sa découverte qui est importante. Dans une de ses très rares interviews, lâchée derrière la porte fermée de son appartement, il s'est ainsi justifié. Cela n'a aucun intérêt pour moi. Tout le monde a compris que la démonstration était correcte et je n'ai besoin d'aucune autre reconnaissance. Et voilà pourquoi il vient de refuser le prix du millénaire et son $1 million offert par le prestigieux Institut Clay. Selon une de ses voisines, son appartement ne compterait qu'une table, un tabouret et un lit crasseux. Il aurait même cessé toute recherche scientifique. Tandis qu'il reste muet, le monde mathématique se perd en conjectures. Ah, c'est un pur et dur, hein. Refuser $1 million. Он постоянно ей что-то рассказывает, активно жестикулирует и даже смеется. Знаменитый математик – постоянный покупатель соседнего с домом супермаркета. По словам продавцов, берет в основном фрукты, яблоки, бананы, апельсины и овощи. Папарацци «Экспресс-газеты» смог и это снять на видео. На кадрах видно, как гениальный математик внимательно и подолго изучает этикетки и ценники. Говорят, Григорий Яковлевич по отношению к продавцам сама вежливость и галантность, хотя и немногословен. Правда, смущает их своими, но очень длинными ногтями на пальцах рук. Он не подстригает ногти уже несколько лет. Что и кому ученый хочет этим доказать, пока непонятно. Впору объявлять премию в $1 million и тому, кто разгадает феномен самого Перельмана. Подробный материал о летних буднях, возможно, гениальнейшего ученого современности, математика из России Григория Перельмана, читайте в свежем номере «Экспресс-газеты» в понедельник. For a century, the world's top mathematicians tried in vain to explain a single concept about the nature of space, that any shape without a hole can be stretched or shrunk into a sphere. The proof of this notion, known as the Poincaré conjecture, promised to reveal truths about the very nature of the universe. In 2006, a reclusive Russian named Grigori Perelman solved the Poincaré and was awarded the Fields Medal, the most prestigious prize in mathematics. More astonishing still, Perelman refused the prize and its large cash award. The New Yorker magazine reported that the actions of famed Harvard mathematician Xingtong Yao may have influenced Perelman's decision. Yao, the article alleged, tried to claim credit over Perelman for the proof. Yao has accused the New Yorker's Sylvia Nasser of defamation. Perelman himself has expressed doubts about the ethics of the mathematics profession as a whole. It is not people who break ethical standards who are regarded as aliens, he said. It is people like me, who are isolated. Age 40, Perelman is believed to have quit mathematics and secluded himself in St. Petersburg. Yes. Okay, it's a good idea. My keys, my phone. Will you be here? Will you save my game? Do I look okay for a job?
You sure? Okay. I return with job. Yes, okay. I'm making donuts. I just saw you give away 2 donuts for free. Yes. 2 chocolate glazed powder shape and a football shape donut and 1 glazed hole and 1 Diet Pepsi. What do you think we're about here? You think we're a charity or what? It's excellence in making donuts and pure dedication. No money. Oh man, no money. Yes. Oh, man. No money. It's science. Hey, you're fired. Come on. Get your hat off. Dude, we need to make money here. Okay. What a freak. He's Grisha. What we'll do now, but we play 1 game in Battlefront. He never caught whiff of what was really going on until it was far too late. With Grigori, Perelman has officially declined his $1 million prize for proving the famous Poincaré conjecture. The scientist said he'd informed the Clay Mathematics Institute of his decision a week ago. Perelman thinks it is unfair to give him the prize because US math scholar Richard Hamilton contributed equally to the proof. In 2006, Perelman was awarded the Fields Medal, the Nobel Prize of the maths world, for his contributions to geometry, but he declined this medal and the money in that case as well. The maths genius leads a reclusive existence. He's in the suburbs of St. Petersburg at his mum's place.